La carrière de plumeur dans le Morbihan est un site réputé en Europe pour l'extraction de kaolin. Le kaolin est une argile constituée de silicate d'aluminium d'une grande pureté, rentrant dans la composition de nombreux produits, comme la porcelaine, la céramique, mais aussi dans l'industrie du papier, de la médecine et du cosmétique. Imerys Céramique, un groupe européen spécialisé dans l'extraction de minerais, a fait appel à SNEF Bretagne pour concevoir une nouvelle usine de production de kaolin, avec un objectif très ambitieux, doubler sa production. Ce projet nous a amené à réaliser l'ensemble de la prestation électrique sur le site, à commencer par la distribution HTA 20 000 volts. La deuxième partie du projet a consisté à alimenter tous les équipements électriques de l'ensemble du process. Et dernièrement, nous avons réalisé l'ensemble de l'automatisme et de la supervision pour piloter l'ensemble de l'usine depuis un poste de contrôle de commande unique. Les infrastructures du traitement de kaolin et ses différentes étapes ont nécessité tous les savoirs du groupe en matière d'électricité, de courant fort, de courant faible, d'automatisme, de supervision, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. C'est également ce projet qui a été la base du développement de l'agence SNEF à Hennebont dans le Morbihan. SNEF est un des acteurs majeurs en ce qui concerne la réalisation de projets de cette envergure pour tout ce qui concerne le lot électrique, haute tension et basse tension. SNEF s'est largement démarqué de ses concurrents par son implication dans toute la phase avant-projet, dans la phase d'études, a passé beaucoup de temps avec nous à comprendre le projet, quelles étaient nos attentes et où est-ce qu'on voulait aller. Et c'est ce qui, je pense, a fait la différence par rapport aux autres sociétés qui ont été consultées. Grâce à ce projet, SNEF Bretagne est devenu le référent électricité et automatisme pour le groupe Imerys Céramique, et cela pour l'ensemble de ses infrastructures minières en Europe.